bien sûr, c'était mon drame, c'était mon grand secret. Bien sûr, j'étais une femme, mais rien n'y paraissait. Bien sûr, que dans ma barbe, moi je riais pas du tout. C'était insupportable, je pensais devenir fou. J'avais toujours les cheveux ras, ça me donne l'air viril. Bien sûr, ça convenait à papa, qui voulait que je plaise aux filles. Mais bon, les filles que je trouvais belles, je voulais pas qu'elles me trouvent beau. Moi, je voulais être comme elles, pas caresser leur peau. Des tresses, pas comme des blés, la nuque. Là où je voulais des seins, ils me poussaient les muscles. J'avais d'énormes mains, on me qualifiait de robuste. Je suis le petit dernier cadet du régiment. J'ai été désiré, on m'espérait tellement. Mon père a eu son gars. Je n'ai eu que des sœurs, les filles d'abord et moi. Un garçon par erreur. Pauvre moi, je vous. Je voulais pas être beau, je voulais être ravissante. Dommage car j'étais trop costaud pour ce que j'avais dans le ventre. Ma pauvre vie s'est trompée de peau, elle s'est trompée d'hormones. J'ai pas le bon numéro, je suis pas la bonne personne. Prénom Charles, j'arrive d'une autre époque. C'est d'avant que les jeunes parlent et que les curés défroquent. C'est qu'avant que les parents acceptent que leur fils puisse être un autre enfant. Qu'est-ce que dit leur pubis? J'ai 82 ans, j'ai plus le temps d'attendre. Parler du bon vieux temps, disons que c'est pas mon genre. Je veux qu'on m'appelle Jeanne, avoir les cheveux longs, marcher avec une canne. Et avec des talons. Et avec des talons.